Un autre moyen, tout simplement, de créer l'habitude de contrôler son résultat, contrôler ce qu'on obtient, contrôler ce qu'on a, c'est d'avoir des statistiques sur chaque chose qui est importante. Et moi, j'ai manqué ça. Moi, j'ai manqué ça. Moi, j'avais pas de statistiques sur ce que je faisais. C'est-à-dire, je dépensais quelque chose, j'avais pas de statistiques sur quelle était la sortie d'argent, l'entrée d'argent. Donc, en fait, quand on a des statistiques, on sait exactement, eh bien, qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qu'on a. Et c'est pas vraiment pour dire, ouais, faut contrôler ses dépenses, mais le truc, c'est qu'il faut contrôler ce qui rentre et ce qui sort, parce que sinon, on n'a pas de retour sur investissement, on n'a pas bah, de cash flow, on n'a pas d'argent à dépenser pour investir, etc. Donc, c'est important de garder des statistiques sur bah, vos dépenses, garder des statistiques sur, par exemple, je sais pas moi, où vous êtes dans le sport, garder vos statistiques sur le poids, par exemple, vos macronutriments, sur et la graisse que vous avez perdue, le muscle, bref. Si vous êtes engagé, vous êtes prêt à faire cela.